Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve sur le 14e épisode de The Trial of Mana. On est dans les terres glacées, transi plutôt, et on se dirige vers le labyrinthe des glaces.我々がマナストーンのエネルギーを放出し、聖域への扉を開いてやる。そしてマナの剣を我らが竜帝様に捧げるのだ。竜帝だと？でたらめ言ってんじゃねえ！大親父が命を捨てて戦い、竜帝は底知れの穴へと落ちて死んだはずだ。叫んだ！お前、デュランか。 Oh, trois golems. Ah, ce combat, je me rappelle, il est pas facile non plus. Un bouclier de moins, deux de moins, et le troisième bouclier est parti également. Allez, le coup d'Yves du lundi. Il y a du soin à donner à Lise. Quoi qu'il y en a un qui est mort, ça va plus vite. Oups. Oh, on a perdu quelqu'un. Ça fait mal ça. Ah zut, ça va dans le bon sens. Bon, il va exploser. Non. Facile comme ça. Allez, bouge. Voilà, une fois qu'on arrive à éliminer, c'est plus facile. Allez, bouge, Lan. Yep, là. ヤプラ。竜帝がもし生きているとしたら、俺の親父は無駄死にしたっていうのか。さあ、俺は信じねえ。信じねえぞ。ナナストーンはすぐ近くにありそうだよ。精霊の気配も感じる。急いで行ってみましょう。
Ok. Labyrinthe de glace. Oh, la pierre de mana. Et on a récupéré le pouvoir de Ondine, c'était facile, même pas de boss. En fait, s'il y a eu un boss, c'était les trois golems juste avant. Alors, augmentation de l'esprit, après une larme de l'eau, infliger des dégâts d'eau. Alors, ça sert à rien d'essayer de changer de classe, c'est déjà fait. Un peu d'XP en retournant en ville pour retourner à la plage. Thank you.
Oh, c'est chiant ce combat là. Allez hop, on descend. Raté. Bah non, ils sont agressifs là. Grosse attaque. On peut se soigner ici, tant mieux. Allez, on se dépêche. Ce qui rattrape tranquillement la différence d'expérience, mais en fait pas tant que ça parce que l'écart est toujours le même. Allez, on va aller dans l'auberge juste pour utiliser nos graines. Je pensais que j'en avais plus que ça. Ah, j'en ai pris qu'une là. Je vais aller trop vite. Ah, ça donne des anneaux. Et les graines dorées, est-ce que je les attends? Je les garde pour plus tard. On va en ramasser d'autres. Rien d'intéressant. Bon. On va regarder les bagues. Alors. Annule les attaques de glace et de feu, annule les attaques mog et sommeil. Ok. C'est moins bien. Et elle, c'est meilleur en défense. Ok, bon. Petit bonus. Notre voyage au pays des glaces aurait été court. Et on va aller se réchauffer dans le désert.
Faisons le tour du monde. Débarqué à Surtan, le village des Arrières. Capitale du désert. Alors, voyons voir. Est-ce que ça propose des meilleurs équipements ou ça va être les mêmes? Ça devrait être les mêmes, ouais, c'est ça, ce qui est logique. Bon, il me semble qu'il y a un cactus ici. Cactus, c'est pas de ce côté-là. Qu'est-ce que tu cherches, gamin? On peut aller ici. Un coffre. Et le voilà, le cactus. Et oui, j'ai trouvé petit cactus. Et voilà, on a le bonus exceptionnel XP x2. De temps en temps, à la fin d'un combat, on va gagner 2 doubles d'XP. Qu'est-ce qu'il nous dit, papy? On explore, on parle à tout le monde si possible. Tu vas avoir quelque chose sur le toit. Eh ben non. C'est la nuit. Yes. Les sables ardents. Ok, donc on va essayer d'explorer tout ça, c'est assez grand comme zone. Voilà, on a eu le bonus x2. Cool.
人でも十分だったな。Alors voilà, on peut pas y aller. Donc on va faire le tour. Et on peut pas y aller du tout. Ça, on peut les esquiver. Sauf que. Quand même faire de l'XP. Attaque, il est loin là. Attaque dans le vide. Oh, il y a un cactus ici. J'ai trouvé peut-être des cactus. Temps nécessaire pour fuir divisé par deux. Ouais, ça c'est pas très utile. J'ai jamais fui un combat dans mon autre partie. Alors, est-ce que on a un passage secret ici? Eh oui! Lame d'argent. Plus 5 d'attaque. Un cactus, un passage secret. Bah dis donc, ça valait la peine. Allez les canards. Alors, on peut passer par la grotte. Ça semble être un cul-de-sac ici. Ça veut dire qu'il y a un objet. Un coffre. Coupe céleste. Donc on va aller là-bas. Il va sûrement y avoir quelque chose là-haut d'intéressant. Alors y a-t-il un autre passage secret? Non. Voilà, il y a un trésor ici. De l'argent, pièce d'or. Et ici, c'est là où on ne pouvait pas passer. Eh oui, level up, il l'a dit lui-même. Alors là où il y a un cactus, il va falloir faire le tour. Ça balance des bombes ça. Il n'y a rien là-haut.
Ah bah c'est un cul-de-sac, on va aller voir. Ah, c'était caché derrière l'arbre. Je pensais qu'il y avait rien. Hein. Et boum. On va chercher le cactus. Tu as trouvé le petit cactus. Et on est à 17 cactus de trouver. C'est la bonne route, donc on va aller par là d'abord. Donc là, c'est d'où on vient. Ouais, c'est ça. Bon. Ok, ça doit être pour plus tard. Ouais, ça fait quand même un détour. Oh, bon, tiens, on va tuer les monstres aussi. Bon, il tombe pas souvent le bonus XP. Chemin possible et on va aller voir le village ici. L'oasis de Dune. Si ça donne du stock différent ici, non, toujours le même. Donc, on dirait que le jour se lève. Je sais plus s'il y a une compétence à obtenir ici. On va sauvegarder parce que c'est l'heure. Alors juste sauvegarder. Voilà, donc on s'arrête ici pour cet épisode. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao.
Bye bye.